Connard, enchanté, moi c'est Bernard Lehmann. La fameuse réponse de Jacques Chirac à quelqu'un qui lui a lancé un connard, même si je n'aime pas ce type d'insulte. Et qui aime ce type d'insulte? De temps en temps, il y a des gens qui aiment ça, malheureusement, ou beaucoup, qui n'ont rien à offrir à l'humanité que l'insulte et l'attaque, et la critique non constructive. Daniel, qui a développé le nouveau site internet, me demande de vous parler du site. Donc il est là, le site, venez le découvrir s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a tellement de choses dedans. D'accord? Moi, personnellement, j'ai besoin de vous pour le blog, par exemple. Nous aider à enrichir le blog pour mieux référencer le site internet. Si Almoubine a attiré ton attention, tu peux écrire un article. Si une étude particulière a attiré ton attention, tu peux écrire un article. OK. Dans le consulting, tu peux venir commander une étude. Parfait. Je pense que je fais plaisir à Daniel qui veut référencer, bien référencer son site. Parfait. Qui a codé ces mystères intarissables? La fameuse question. Comme d'habitude, je pose un titre par rapport à quelque chose. Ici, vous allez voir, vous allez comprendre. Je pose une image et je pose une petite image ici. En général, je mets un verset ici. Observe bien. Cette étude fait suite à ce commentaire. De l'île Patrick vient me dire, t'es vraiment nul. Nul. Normalement, tu peux me dire, toi, pourquoi tu réponds à ce type de spécimen? Tu vas voir, tu ne vas pas le regretter. On va le remercier à vie. C'est pour ça que j'ai aimé son attaque malheureuse, basse. Donc, il est venu marquer le territoire de l'étude. Je pensais trouver une résolution de la conjecture de Riemann. Celle-là. Je pensais trouver une résolution de la conjecture de Riemann. Et il est venu marquer le territoire ici. Parfait. Donc observez bien. Observez bien et concentrez-vous. De l'île Patrick, concentre-toi au maximum. J'ai choisi cette image directement, sans réfléchir, repartir de zéro. Mais je n'en ai jamais bougé. Donc tu me dis que je suis nul. Qui de nous doit repartir de zéro? Et qui de nous n'a jamais bougé de zéro? Est-ce toi ou moi? Observe. Qui a écrit « T'es vraiment nul, nul »« T'es vraiment nul, nul » dans la langue des nombres premiers? Donc observe bien, le total, c'est un nombre premier qui a comme rang 229. 229 est un nombre premier qui a comme rang 50. Et le total ici, donc le total sans les rangs, et le total avec les rangs. Si tu n'as pas compris ce que je fais, je vais te l'expliquer encore une fois. Il y a 5 ans, j'ai découvert une nouvelle science que j'ai nommée la science El-Moubin, la science de la programmation divine. Cette science est basée sur les nombres premiers. Les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux, 114, 23, 30, 40, 63. Les nombres premiers, si tu n'es pas très nul, tu as appris dès le collège, que ce sont des nombres qui ont une définition simple. Un nombre premier a deux diviseurs, lui-même est 1. Donc 2 est premier parce qu'il a deux diviseurs, lui-même est 1. 3 est premier. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs, sauf 2, ne sont pas premiers. 5 est premier. 7 est premier. 9 n'est pas premier. Pourquoi? Parce que même s'il est impair, il n'est pas premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. Pourquoi? Il a trois diviseurs. Lui-même 1 et 3. 9 divisé par 3 égale à 3. 41 est premier, 61 est premier, ainsi de suite. C'est ce qu'il faut savoir pour comprendre la science Al-Mubin. Ensuite, il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier. Je dis que son rang est 1. Le 3 est le deuxième nombre premier. Le 5 est le troisième nombre premier. Nous sommes le mois de juin. Le mois de juin, il a le rang 6. Il a le numéro 6. La codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Tu peux poser n'importe quelle série de nombres premiers. Tu peux même inventer une nouvelle codification basée ou pas sur les nombres premiers. Le comportement que tu vas observer va se répéter à l'infini. Et tu verras qu'il y a une conscience. Si tu ne vois pas qu'il y a une conscience, il n'y a pas plus nul dans l'univers que toi. Si tu ne vois pas qu'il n'y a pas une conscience, si tu ne vois pas la présence d'une conscience qui a tout codé et qui a tout programmé, tu n'as rien vu. Tu n'existes même pas malheureusement. Tu es pire que la nullité.
que le néant, malheureusement. Observe bien. Observe bien, s'il te plaît. N'oublie pas qu'on s'intéresse à des nombres très particuliers sur lesquels les plus grands génies des mathématiques, les plus grands chercheurs, des amateurs ont passé leur vie, se sont cassés les dents pour les comprendre. Par exemple, le génie des mathématiciens Euler disait: les mathématiciens ont vainement essayé de comprendre l'ordre qui régit les nombres premiers, et nous avons toutes les raisons de croire que l'esprit humain ne peut pas percer le mystère des nombres premiers. Dans une autre fois, il a dit qu'il faudra 1 million d'années pour comprendre les nombres premiers. Donc là, on ne parle pas de n'importe quoi, attention. Et donc là, tu viens me dire que je suis nul. Observe bien. Observe bien, s'il te plaît. Donc, ces nombres-là ne sont pas de moi. C'est la question qui les a donnés. Ces nombres-là, je vais te les expliquer. Ici, une fois qu'on arrive ici, on divise par le 114 et le 23. C'est ce que je fais depuis 2 ans et demi. Depuis que j'ai commencé à publier, je ne fais que ça. J'ai découvert ça il y a 5 ans. Je l'ai gardé pour moi pendant 3 ans. J'ai tout essayé pour casser Al-Mubin. Je n'ai pas réussi. Et après, j'ai commencé à publier. Et je fais toujours la même chose. Observe bien. Un seul nombre premier qui va régir toute la suite. Ceux-là ne sont pas premiers. Et le seul qui est supérieur au 23, divisé par le 23, le reste est 10. 79 est premier, la combinaison en 22. Observe bien, s'il te plaît. Observe bien. 1944, plus son rang, plus le rang de son rang, moins 1447, plus 79, moins son rang, moins 10, plus 21, plus 6, plus 12. Donc tu vois la particularité de cela, du nombre au premier. OK? Donc tous les nombres ont donné 862. D'après toi, c'est qui? C'est de Lille, Patrick. Normalement, juste là, je dois m'arrêter et tu dois embrasser mes pieds à vie parce que tu m'as manqué de respect. D'accord? N'est-ce pas? Embrasser. Donc là, ici, imagine, on est en train d'embrasser mes pieds. Ok. Observe bien. Est-ce que tu veux qu'on le répète? Je pose une question au hasard. Je dis au hasard, qui a écrit? T'es vraiment nul. Exactement, je n'ai rien touché, attention. Je n'ai rien fait bouger. Ah bien, de ce que tu as écrit, rien. Ok? Je pose la question. J'utilise une science que tu es venu attaquer. Ok? La même toujours. Il y a un nombre au premier ici. Ok. Et il y a des rangs ici de la question. Observe bien les nombres, les nombres, les nombres. Ok? Ceux-là exactement ont donné la réponse. Donc mon ami, des cadres et des cadres supérieurs, des gens extraordinairement puissants. Musulmans et non-musulmans, d'accord? Et souvent, j'ai été attaqué par des non-musulmans, de tout profil et de tout diplôme et de tout statut social. À chaque fois, ils se sont inclinés et n'ont pas pu me défier 2 fois. Les pires athées de l'univers m'ont défié, arabophones et non-arabophones, francophones, parce que je suis sur le front des arabophones et des francophones. Je fais des études dans les deux langues. J'ai été attaqué par les apostats, par les athées, par les non-musulmans, par les musulmans. OK? Et à chaque fois, je leur cloue le bec. C'est pas moi, c'est la science Al-Mubin. Observe la puissance. Et tu n'as rien vu encore. Maintenant, nous allons prendre de l'île Patrick. C'est ta signature, n'est-ce pas? C'est ton identifiant sur YouTube, n'est-ce pas? C'est ce que tu as utilisé pour venir m'attaquer, pour venir marquer le territoire. En plus, sur une étude consacrée à Riemann, à la conjecture de Riemann. Ok. Observe bien. 114, 23. La ligne principale. Je divise ici, à chaque fois, je divise par le 114 et le 23. Les cœurs battants des nombres mystérieux. Donc, tu vois, tout ça a un sens. Depuis 5 ans, j'ai pris comme adresse mail 2314. Ça, c'est les cœurs battants de Al-Mubin. Et ils sont là mis en valeur. Ok. 114, 23. 30, 40, 63. Observe bien. Donc, je divise à chaque fois par le 114 et le 23. Reste de la division euclidienne, reste de la division euclidienne. Lui, tu peux diviser par le 23, tu divises le reste est 18. Toujours la même science. 11 est premier, la combinaison 5, la combinaison 3, la combinaison 2, la combinaison 1. Observe bien. La somme est 104. OK. Observe bien et concentre-toi. 104 est le rang du nombre au premier 569. OK. Et 64, la ligne principale, 64 plus 11 égale à 75, n'est-ce pas? Maintenant, ce 104 va regarder au niveau du nombre premier, du nombre qui se dégage du nombre premier d'abord. 104, observe bien, 104 plus 10 qui se dégage du nombre premier donne la signature, l'identité numérique de celui qui a codé.
Maintenant, observe bien et explique. 569 plus 101 plus 114 plus 75 donne Patrice, Patrick. Comment tu peux l'expliquer? Dis-moi comment tu peux l'expliquer. Allez! Là, tu te ridiculises devant la planète entière. Je te donne ton poids en or si, et je sais que tu es obèse peut-être, et tu peux devenir obèse pour que je te donne ton poids en or. Observe bien. Si tu arrives à expliquer ou à réfuter, d'accord? Je te donne ton poids en ce que tu veux. En poids chiche, si tu veux. Hop, ça. Ok, 862 de l'île Patrick. Parfait. Maintenant, observe bien. Le nombre premier plus 100 rangs. Le nombre premier plus 100 rangs. Ça se dégage de Patrick, n'est-ce pas? Donne ce nombre. Il a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 122. Ok, observe bien. Maintenant, ces nombres-là, tu as vu, la ligne principale, 64 plus 11, a donné 75. Cela maintenant, 18 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1, égale à 29. 29 est premier, il a comme rang 10. 29 moins 10 égale à 19. 19 est le rang du 67. Observe bien, s'il te plaît. 673 plus 100 rangs plus 67 donne quoi? Donne de l'île Patrick. Nous avons fait 29 moins 10, maintenant nous allons faire 29 plus 10. Observe bien. 39. 39, ça va faire quoi? 39 avec le 75, d'accord? Égal à la signature. Parfait. Parfait. Maintenant, observe, s'il te plaît. 39, 30, 75 moins 39. Nous avons fait 75 plus 39, j'ai oublié de le mettre. Maintenant, 75 moins 39. Observe bien. 75 moins 39. Et l'origine même de cette étude sur les nombres premiers, sur la conjecture de Riemann, observe bien, ça c'est un musulman qui est venu jouer le malin. J'étais patient pour voir vos vidéos, et celle sur les nombres premiers. Je pensais trouver un code qui nous démontre comment trouver les nombres premiers et résoudre la conjecture de Riemann. Rien, que des additions et des multiplications. C'est cela vos mathématiques? Quelle honte d'utiliser l'islam. Ça c'est un musulman qui est venu jouer le malin. Ok, donc observez. Simple. Mais tu peux m'imposer un type d'opération. Tu peux m'imposer n'importe quel type d'opération, n'importe quel type de fonction, et tu verras le même comportement. Le même. Donc 75 moins 39 égale à 36, n'est-ce pas? 114 moins 36 égale à 78. 78 est le rang du nombre premier 397. Ok, observe bien. On a fait 569 plus 104, tu te rappelles. Maintenant 569 moins 104 égale à 465. Observe bien la puissance. 465 plus 397 égale à de l'île Patrick. À la perfection. Maintenant, la somme des nombres de l'île Patrick. Nous allons sommer de l'île Patrick à chaque fois qu'il apparaît. Observe. Je le somme à chaque fois qu'il apparaît. Ok? Je le somme à chaque fois qu'il apparaît. Ok? Donc, il a apparu un nombre de fois, je le somme. Il a apparu quatre fois. Ok. Maintenant, le 569, observe bien, plus son rang, je le repose. Donc je vais le poser en rouge toujours, observe bien, et ici en noir, le nombre premier et son rang, toujours de la même manière. 673, maintenant observe, le nombre premier maintenant moins son rang. Tout à l'heure, on a attaqué le 10, le 104 a trouvé le 10. Maintenant, le nombre premier moins son rang, égal à quoi? Égal à 57. Observe bien, s'il te plaît. 3448 moins la différence des deux égale à 2832. Repartir de zéro, mais je n'en ai jamais bougé. Waouh! Celui qui a tout codé a voulu directement que je pose ça pour te titiller un peu. Tu me traites de nul, le zéro, n'est-ce pas? Repartir de zéro, mais je n'en ai jamais bougé. C'est ton cas, mon ami. Et si tu décides de continuer encore sur le zéro et de t'entêter, là je ne peux plus rien pour toi. Là c'est que tu insultes ton intelligence. D'accord? Donc quelqu'un comme toi ne peut pas venir jouer avec quelqu'un comme moi, mon ami. C'est pas possible. D'accord? Ce n'est pas possible. C'est une aberration. D'accord? Observe. Donc le 2832 repart de zéro, mais je n'en ai jamais bougé. Maintenant la somme de la totalité des rangs sont ceux du 11. Observe. Je vais sommer tous les rangs, observe bien, tous les rangs. Ok?
Sauf ceux-là. Et tu verras quand je vais sommer avec eux. Observe. Je vais sommer tous les rangs, tous. OK? Sauf 11. Les rangs du 11, c'est 11. Ça donne ça. Lui, c'est un nombre premier qui a commencé en 84. Maintenant, observe l'apparition d'un nombre de El-Moubine. Qu'est-ce qu'il va faire? 114 au moins 84 donne un nombre de El-Moubine. C'est le nombre de nombres premiers entre 1 et 114. Entre 1 et 114, il y a pile poil 30 nombres premiers. Le dernier, c'est le 113. 113 est un nombre premier qui a commencé en 30. Divise-le par le 23, le reste, c'est 7. 7 est le premier qui a commencé en 4. Observe bien, s'il te plaît. 434, 3 moins 100 rangs, égale à 349. C'est le rang du nombre premier 3196. Maintenant, le 349, celui-là, c'est un nombre premier qui a comme rang 70. Donc lui, il est le rang de lui. Mais lui, il a comme rang lui. Observe. Maintenant, on va revenir au nombre premier de l'étude. Observe bien la puissance. Le nombre premier, tout va se faire ici. Lui, moins lui, moins lui. Égal à 47. 47 est premier, là, comme rang 15. Observe bien, s'il te plaît. 3196, moins 100 rangs, moins le rang de 100 rangs, plus 47, plus 15, observe bien, ok? Moins le 7 qui se dégage de 30, et tu verras que le 30 va tout faire, à chaque fois, égal à 2832, repartir de zéro. Maintenant, je somme la totalité des rangs en prenant en compte le 11. Observe, je vais prendre maintenant le 11. Je vais tout sommer en prenant en compte le 11. Ça donne 444. Idem, je fais la même chose. Rang du nombre premier, 3119. Maintenant, le 30 plus 7. 30 plus 7. Le 7 vient d'intervenir. Maintenant, 30 plus 7. Égal à 37. 37 est le rang du nombre premier, 157. Observe maintenant la puissance. Le nombre premier, moins 100 rangs, plus le 157, 2832, repartir de zéro, mais je n'en ai jamais bougé. Ok. Maintenant, 157 plus 100 rangs. Le rang n'avait pas intervenu. 157 plus 100 rangs. Égal à 194. Divise-le par le 114. Le reste est 80. Tu te rappelles de 30. Maintenant, on a fait 30 plus 7. Maintenant, 30 plus 4. Observe bien. Égal à 34. Tu as compris. 80 plus 34, la signature. Et le fameux 157, je lui rajoute le 37. Et le 37 est un nombre premier qui a comme rang 12. 12. Donc 157 plus 100 rangs plus le rang de 100 rangs égale à 206. Divise par le 114 et le 23. Reste. 92 plus 22 égale à 114. La signature. Ok. Rappelle-toi du 7. Rappelle-toi du 7 qui a tout fait, qui est dégagé du 30. 7 moins 100 rangs. Observe bien. Égale à 3. 3 est premier, là, comme rang 2 qui a comme rang 1. Maintenant, somme des nombres à partir de 2832. Ça veut dire à partir de repartir de zéro, mais je n'ai jamais bougé. Observe. Égal à ce nombre. Parfait. Observe bien. Denis Patrick. Ok. Maintenant, on revient encore au 30. Le nombre de nombres premiers entre 1 et 114. Le nombre de El-Moubine. 30 plus 7 plus 4. Observe. Égal à 41. 41 est premier là comme rang 13 qui a comme rang 6. Ok. Tu te rappelles du 84, le rang initial qui a donné le 30? 84 moins 30, observe bien. 84 moins 30 égale à 54. Ok, observe bien s'il te plaît. 54 plus 41 plus 13 plus 6 égale à 114. Divise-le par le 114 et le 23, pas de reste, reste. C'est que lui admet la division par le 114, tu le divises, le résultat est 1. Ok, 0 plus 1 plus 22 donne le nombre de El-Moubine. Le nombre de El-Moubine principal donne le nombre de El-Moubine principal. Ok. Maintenant, 23 est premier, là, comme rang 9. Ok. 23 moins 9 égale à 14. 14 est le rang du nombre premier 43. 43 plus 14 égale à 57. 57 est le rang du nombre premier 269. Le seul capable de faire ça. Allah. Allah, mon ami, en arabe littéraire, dans la langue des premiers, il est égal à 269. Pourquoi? 269 divisé par le 114, ça te donne 41. Divisé par le 23, le résultat, ça te donne 16. 41 plus 16 égale à 57. 57, c'est la moitié du Coran. Le Coran, c'est 114 sourates. Et le 269 est un nombre premier qui a comme rang 57. 57 plus 57 égale à 114. À la perfection. Ok. Maintenant, 114 moins 23. Le 114 moins 23 égale à quoi? Égale à 91. La somme des rangs de Allah. Ok. Donc, 91 plus 269 égale à Allah avec les rangs. Observe bien. Les rangs d'Allah, observe bien, les rangs d'Allah,
Observe bien, c'est 91, à la perfection. Ok, maintenant observe bien. La somme des nombres, donc ça veut dire Allah, observe, la somme des nombres à partir de 862, à partir de Patrick, observe bien. À partir de Patrick, je somme les nombres. 41, plus 13, plus 6, plus 54, d'accord? Sont les nombres principaux de Al-Mubin, ok. Plus lui, plus lui, plus lui, ok. 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 Plus Allah, ok. Sans les rangs de Allah, ok, et plus Allah. Observe bien. Égal à 889. Maintenant, observe bien, s'il te plaît. Observe bien les derniers rangs, ok. Observe bien ces rangs-là, ok. 13 plus 6, égal à 19. 19 est premier, là, comme rang 8. Ok, observe. 889 moins 19 moins 8. J'ai oublié de le poser ici. 889 moins 19 moins 8. Ici en rouge, parce que c'est un nombre au premier. Tu as compris ce qui va se passer. Tu as compris ce qui va se passer. Je te titille là. Tu n'as rien vu. À chaque fois que tu vas penser être impressionné par Al-Mubin, il va t'impressionner encore plus. C'est bon? Parfait. Maintenant, quel est le territoire que notre Patrick a marqué? Il a marqué une vidéo, une étude qui parle de la conjecture de l'imam. Qui dit nombre au premier des conjectures de l'imam. Qui dit conjecture de l'imam dit nombre au premier. Quelqu'un comme toi ne peut pas m'adresser la parole à moi, mon ami. Le seul qui peut me parler, moi, tu sais bien. J'aime pas faire ça, mais je te le fais à toi. Celui qui peut m'adresser la parole à moi, c'est pas Riman, tu vois. Riman, s'il voit ça, bon, je te le jure par mon Seigneur, crise cardiaque. Parce que lui, il a une intelligence dans le cerveau. Il n'a pas la nullité dans le cerveau. Il a des neurones qui bougent, d'accord? Toi, malheureusement, tes neurones ne bougent pas. Et quand tu vois les neurones bouger, tu viens jouer le malin. Tu viens marquer le territoire. Allez, la question c'est, quel est le territoire que notre Patrick a marqué? C'est cette étude, n'est-ce pas? Je pensais trouver la résolution de la clôture de la conjecture de l'imam. Ok, donc tu es venu marquer le territoire. Donc on va reprendre la question. Tu te rappelles de la question. Ok, on va la reprendre. Qui a écrit? T'es vraiment nul, nul! Ok, observe bien. Lui plus lui, égal à ce nombre. Ce nombre au premier, il a comme rang lui. Ok. Maintenant, toi, on va te prendre, on va te poser. C'est toi qui es venu marquer, n'est-ce pas? Donc toi, ok. Maintenant, observe le nombre au premier à chaque fois. 79 moins 10. Égal à 69. Observe la puissance, dis-moi comment tu expliques. 3391. Plus 100 rangs. Plus toi, qui es venu marquer le territoire. Ok. Moins le nombre qui se dégage du nombre au premier, comme à chaque fois. Dans le 4662, tu vas me dire c'est quoi ça? Je pensais trouver une résolution de la conjecture de Riemann. C'est-à-dire le territoire que tu es venu marquer. La réponse à la question. Ok, phénoménal, non? Ça dépasse l'entendement. Ok, maintenant observe. Tu vas me dire, ok, Mustapha, lui et lui ont travaillé, ça isole les autres. 79 moins 10, ça a donné le 69. Ok, et les nombres ont eu besoin du 69. Maintenant les autres nombres, observe. 22 plus 21 plus 6 plus 12. Égal à 61. 61 est un nombre au premier qui a comme rang 18. Observe bien. 61 plus 18, 79. Et 61 moins 18, 43. 79, il a reçu l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 22. 43 est premier, il a comme rang 14. 79 moins 22, égal à 57. 43 plus 14, égal à 57. 57 plus 57, égal à 114. La signature. Maintenant, le 79, tu vois comment elle a apparu encore? Tu te rappelles de lui. C'est le nombre au premier de l'étude. Donc, observe bien, il apparaît. Donc, divise-le par le 3, le reste est 10. 79 moins 10, 69, ça nous redonne encore la chose. 4662. Et observe bien la puissance de celui qui a codé. Allah. 43 plus 14 plus 22. J'isole le 79. 43 plus 14 plus 22. Donne quoi? Encore le 79. Divise par le 23, le reste est 10. 79 moins 10 nous donne le 69 pour former encore le 4662, le territoire que tu as marqué. Maintenant, la somme de la totalité des rangs. Je vais sommer tous les rangs. Observe bien. Je somme tous les rangs. Tu vois, je somme tous les rangs. OK. Tous. Ça donne ce nombre. La différence entre ce nombre et toi, c'est combien? C'est 1. 863 moins 1 donne 2000 Patrick. Observe bien, il est où? On a fait le 79 moins 10 trois fois. Maintenant, nous avons fait 79 plus 10. 89. 89, 89. Il a reçu l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 24. 89 plus 24, 113. Tu te rappelles de ce nombre?
qui a tout fait précédemment? Ok. 113 est promis là comme rang 30, divisé par le 23, le reste est 7. 7 est promis là comme rang 4. Nous l'avons déjà rencontré, ça, je te rappelle. Ok. Maintenant, ce nombre-là est issu du nombre premier. 114 moins 13 égale à 1. 1, 1. 863 moins 1. 3, 3, 3. À la perfection. Ok. Maintenant, observe bien. 30 plus 7 encore. 37. 37 est promis là comme rang 12. Observe bien. Observe bien. 89 moins 24 plus 37 plus 12, la signature. La signature, la signature. Ok. Je vais l'agrandir un peu. 34. Parfait. Maintenant, observe bien. 30 plus 7 plus 4. 30 plus 7 plus 4. Égal à 41. 41 est promis là comme rang 13, qui est comme rang 6. Observe bien, s'il te plaît. 41 plus 13 plus 6, plus le 24 plus le 30. Le rang plus le rang égale à quoi? La signature, la signature, la signature. Parfait. Maintenant, la somme des nombres à partir de Patrick. Observe bien. Je somme tous les nombres à partir de Patrick. Dis-moi comment tu expliques. 10 011. Maintenant, le nombre premier, c'est 79 qui a tout fait. 114 moins 79 égale à 35. 35 est le rang du nombre premier, 149. Observe, dis-moi comment tu expliques. 1011 moins 149. Patrick! 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 Là, normalement, Riemann lui-même, crise cardiaque. Riemann lui-même, crise cardiaque. La conjecture de Riemann elle-même, tu verras à la fin, il y a une belle conclusion pour toi, c'est rien. Tu vois, la conjecture de Riemann et sa démonstration, considérée comme le Saint Graal des mathématiques et des sciences, elle est rien. Et ça sera la conclusion. Observe bien. Donc, le fameux de l'île Patrick. Parfait. Et le 149 moins 35 égale la signature, la signature, la signature. Maintenant, observe s'il te plaît. Observe s'il te plaît. La somme de tous ces nombres. 114 plus 114 plus 114 plus 1011 plus cela. OK. Observe. Plus Patrick. Égale à 4491. Maintenant, le 79, le nombre premier moins 100. 57, 57, 57. Observe bien s'il te plaît. 4491 plus 57 plus 114 égale à ce nombre. Tu le connais. C'est le territoire que tu as marqué. Tu n'as jamais vu ça, n'est-ce pas? J'espère que tu ne vas pas t'entêter. J'espère que tu ne vas pas t'entêter. Il y a des cerveaux, je te le dis, d'un grand niveau qui sont émerveillés devant ça, qui n'arrivent pas. Il y a même des gens qui me disent, je suis devenu addict à lui. Il pose des questions. Il voit la puissance. Il y a un qui m'a dit, nous sommes cernés de partout par Al-Mubin. Quoi que tu fasses, l'intuition, la pensée, quoi que tu fasses, est codé par Allah. Maintenant, en entrée de jeu, ton insulte m'a fait penser à Jacques Chirac. Connard, enchanté, moi c'est. Tu te rappelles, observe bien. Je te pose une question. Connard, enchanté, moi c'est. Tu l'écris sur Google, directement tu vas voir Jacques Chirac. Tu l'as dit à quelqu'un qui a connu l'époque de Jacques Chirac. Qui va te dire Jacques Chirac. Donc observe bien. Connard, enchanté, moi c'est. Observe. Al-Moubine va répondre. Observe. Observe. Observe bien, s'il te plaît. On a le fameux nombre de Al-Moubine qui est apparu depuis le début. Tu le connais. Observe bien. La ligne principale, les deux nombres, les totaux, ok. La ligne principale, le reste de la division euclidienne à chaque fois. Lui, tu peux diviser par l'entre, le reste est 16. Lui, il est premier là comme rang 5, qui est comme rang 3, qui est comme rang 2, qui est comme rang 1. Lui, tu peux diviser par l'entre, le reste est 7, c'est premier là comme rang 4. Ces nombres ne sont pas à moi. Ils sont imposés par la séance Al-Mubin, par celui qui a codé. On repère Al-Mubin directement. Ici, dans les modes 23, on repère Al-Mubin, le 23. 23 est premier là comme rang 9. Maintenant, les autres nombres, observe bien. 108 plus 22 plus 30 plus 4 plus 22. Ça, c'est 22. Ok, observe bien. Lui, il est le rang du nombre premier 1109. Maintenant, observe, s'il te plaît. Nous avons sommé. OK. Tout sauf le 23. Maintenant, nous allons retrancher. 108 moins 11 moins 5 moins 3 moins 2 moins 1 moins 30 moins 4 moins 22. Comme par hasard, le nombre de Al-Mubin. Waouh! 10 pour l'entrée, le reste est 7. Tête première comme rang 4. Observe bien, s'il te plaît. 30 plus 7 égale à 37. 37 est premier là comme rang 12. Dis-moi comment tu expliques. 1109. OK. Moins 186. Moins 37 moins 12 égale à 874 Jacques Chirac. À la perfection. Et le 874 moins le dernier rang, là, observe bien, tu vas mourir, de l'île Patrick.
De l'île, Patrick. Comment tu expliques? Tu vas me dire, c'est le hasard. Le 12, c'est le hasard. Ok, observe bien. La somme des rangs. La somme des rangs. Ok, tous les rangs. Donne un nombre de Al-Mubin, l'âge du prophète, quand il a rencontré la révélation. Et le seul âge cité dans le Coran, c'est l'origine de Al-Mubin. C'est une méditation sur le Coran qui m'a permis de comprendre comment fonctionnent les nombres premiers et pourquoi Allah a créé les nombres premiers. Observe, le 40. Divise-le par le 23, le reste est 17. 17 est le premier comme rang 7, il y a comme rang 4. Observe. 40 moins 17 moins 7 moins 4. Comme par hasard, 12. 12 est le rang du 37. Donc observe bien, 874, Jacques Chirac, moins 12, égale à de l'île Patrick. Et 1109 moins 486, moins 37 moins 12, encore une fois, 874, Jacques Chirac. À la perfection. Maintenant observe bien, le 37 s'est imposé deux fois, n'est-ce pas? 37 plus 40, le nom de El-Moubine. Plus le deuxième 37, le premier 37, égale à la signature, à la perfection. Maintenant, la réponse était là initialement. 30 plus 7, égale à 37. 37 est premier là comme rang 12. Donc, 874, Jacques Chirac, moins 12, encore une fois, de l'île Patrick. Et encore une fois, 1109, moins 186, moins 37, moins 12, 874, Jacques Chirac. Parfait. Maintenant, la somme de la totalité des rangs. Observe la puissance. Ça va nous donner un troisième ou un quatrième. Ou le dernier nombre de Al-Mubin, le 63. Soit 114 moins 63 égale à 51. 63 moins 51, 12. Aïe! Jacques Chirac moins 12, encore une fois, de l'île Patrick. Comment tu expliques? Maintenant, sur le même modèle, t'es vraiment nul, 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 nul. Et là, je te dis, enchanté, moi, c'est. Observe bien. Allez, observe bien. Là, je te ridiculise à mort. Tu me dois le respect, mon ami. Là, je te montre des choses qui vont faire que tu vas repartir pour une fois de zéro. Observe. Observe bien. La ligne principale, elle n'est pas de moi. Divise par le 23, le reste. Lui, il est premier là comme rang 1. Divise par le 23, le reste est 11. 11 est premier là comme rang 5, qui est comme rang 3, qui est comme rang 2, qui est comme rang 1. Lui, il est premier là comme rang 28. Lui, il est premier. Le 103. Le 103. Et là, comme rang 27. Ok. 10 fois longtemps, le reste est 5. 5 est premier comme 3, qui est comme 2, qui est comme 1. 27, 10 fois longtemps, ok. Ah, tout ça, c'est pas moi. C'est la science Al-Moubine qui impose. On repère Al-Moubine. 103 plus 11. 114. 103 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1. 114. Maintenant, le reste. Comme à chaque fois. Les autres nombres. Les autres nombres. C'est bon, le 114, c'est bon. Ok. La même science, toujours. 211 est le rang de 1297. Maintenant, la somme des rangs. Observe la puissance. La somme des rangs, toujours. 28 plus 3 plus 2 plus 1 plus 27 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 plus 1, les rangs principaux, égale à 73. 73 est premier là comme rang 21. Explique s'il te plaît. Explique. Lui, plus lui, moins lui, plus lui, ok, moins la différence entre 114 et 73 donne le 2617, qui est premier là comme rang 380. Et puisqu'on a un deuxième 114, une deuxième fois, c'est quoi ce nombre? Le découvreur de la science divine El-Moubin. Ok, la question était quoi? T'es vraiment nul, nul! Enchantez-moi, c'est le découvreur de la science divine El-Moubin. Tu n'es pas venu m'insulter en tant que Mustapha. Tu es venu m'insulter en tant que quelqu'un qui vous offre une science nouvelle, mais que tu ne comprends pas. Le seul neurone que tu as, tu l'utilises même pas pour manger et boire et t'accoupler. Malheureusement, tu l'utilises pour insulter et marquer le territoire. Sachant que le chien, quand il le fait, ou le loup, quand il le fait pour des raisons louables. Pas pour les mêmes raisons que toi. Observe. Donc, le découvreur de la science divine El-Moubine, encore une troisième fois, qui a comme rang. Maintenant, le 211, là, la clé de l'étude. Ok. Lui, c'est un nombre au premier qui a comme rang 47. Et 47 est premier, il a comme rang 15. Il faut toujours la signature. On part du 114 et on revient au 114. Comment? 211 plus 40, moins 47 moins 15 égale à 149. Il a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre au premier qui a comme rang 35. 149 moins 35, la signature. Maintenant, dis-moi comment tu expliques, s'il te plaît. 380. Observe bien. Observe bien. Les trois rangs de moi, le découvreur, 380 est apparu trois fois, n'est-ce pas? Tu te rappelles? Donc 380 plus 380 plus 380 moins les autres rangs, observe. Les 380 imposés trois fois, moins les autres rangs, observe. Ok? Donne quoi? Donne ce nombre.
Le 114 est apparu trois fois, n'est-ce pas? Tu es d'accord? Le 114 est apparu trois fois. Troisième fois, deuxième fois, première fois. Et tout a été fait par rapport à lui. 114 divisé par le 114 est 23. Reste. 0 plus 22, 22, 22, 22. 840 plus 22, 862, 862, 862 de l'île Patrick. Parfait. Maintenant, tu peux me dire, tu as sommé les trois Mustapha, découvreur de la science mobile. Tu as retranché deux, les autres rangs. Pourquoi tu ne sommes pas? Allez, on somme. C'est-à-dire, je fais la somme des rangs. Je fais la somme des rangs. Ok, ce que tu veux, je fais la somme du rang. 1440. Ok, maintenant, observe bien. Ici, 114, plus 0, plus 22, plus 22, plus tout ça, donc la somme de tout ça, observe bien. Donc ça, c'est les 114 plus 22. Observez, c'est cela. Donne quoi? Donne les 474. Je divise par 123. Observe bien, s'il te plaît, concentre-toi. Tu veux que je te le fasse? 114, 114, plus 114, plus 114, plus 0, plus 22, plus 0, plus 20. Ici, 22, plus 0, plus 22, plus 0, plus 22. À chaque fois. OK? C'est-à-dire la somme de ceux-là, qui sont très particuliers. Comme ça, on isole lui, Patrick. La somme de ceux-là et de ceux-là. Et on isole Patrick. Ok, observe bien. Ça donne ce nombre. Je divise par le 114 et 23. Reste. 18 plus 14 égale à 32, n'est-ce pas? 32, c'est quoi? C'est 22 plus 18, d'accord. Observe bien. Le 840 avait besoin du 22, ok, pour faire du Patrick. Je vais me dire le 10. Observe bien et concentre-toi, s'il te plaît. On a eu 114 trois fois. 114 moins 10, 104. 114 moins 10, 104. 114 moins 10, 104. Observe bien et dis-moi comment tu expliques. 1440. Moins 474, moins 104, égale à 862, 862, 862 l'île Patrick, à la perfection. Ok, maintenant, Patrick s'est imposé trois fois. 862, plus 862, plus 862, plus le découvreur de la science divine Al-Mubin, plus le découvreur de la science divine Al-Mubin, plus le découvreur de la science divine Al-Mubin. Trois fois. Observe, 10 437. Observe bien, s'il te plaît, concentre-toi. Maintenant, observe bien. Quand je suis arrivé ici, et c'est là que tu ne comprendras jamais, il y a cette phrase qui s'est imposée dans ma tête et que je répète tout le temps. Observe bien. J'ai fait ça, ça semble. La conjecture de Riemann et sa démonstration, considérée comme le saint graal des mathématiques, n'est même pas un atome dans les océans infinis de la science divine Al-Mubin. Et c'est ce que je dis depuis ma première vidéo publiée il y a 2 ans et demi. Je parlais de la conjecture de Riemann. Donc là, je répète, la conjecture de Riemann et sa démonstration, considérée comme le saint graal des mathématiques, n'est même pas un atome dans les océans infinis de la science divine Al-Mubin. Observe bien. Total. Allah lui a donné l'ordre d'être un nombre premier qui est comme rang 844. Je vais mettre ça en rouge. Concentre-toi au maximum, s'il te plaît. Et je vais mettre ça en noir. Ok. Donne ça. Divise par le 143. Donne ce nombre et ce nombre. Lui, tu ne peux pas diviser par le 3, il n'y a pas de reste. Divise par l'entre, le quotient, le résultat est 4. Lui, il a reçu l'ordre d'être premier, là, comme rond 1. Observe bien. Lui, plus lui, moins lui, moins lui, moins lui, moins lui, le plus grand, moins les autres, égale à 10 437. 10 434. Ça veut dire toi, plus toi, plus toi, plus moi, plus moi, plus moi, égale à ça. À la perfection. Et regarde, ça ne s'arrête jamais. Observe bien. Ce moment très particulier où il y a eu le 0. 92 plus 0 plus 4 égale à 87, n'est-ce pas? Maintenant, observe bien, s'il te plaît. Le 844, le dernier rang de cette phrase phénoménale. Ok, observe bien. Plus le fameux 114. Plus le fameux 114. Tu te rappelles de lui? Plus le fameux 114. Ok. Moins le 96 donne 862, 862, 862, n'est-ce pas, Doulil Patrick? On commence par toi et on finit par toi. Si tu t'entêtes, je vais dire c'est pas possible. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont des âmes assoiffées d'enfer. Et donc c'est l'enfer qu'il leur faut. Ils vivent l'enfer sur terre. Et quand ils meurent, ils partent en enfer. Et après, ils s'étonnent. Ils s'étonnent qu'ils sont partis en enfer. Alors que c'est la seule chose qui peut correspondre à leur âme minable et satanique, c'est l'enfer. Donc j'espère que tu ne fais pas partie de ces gens-là. Ok? Parfois, j'étais dur avec toi. Mais de temps en temps, il faut casser les orgueilleux. Donc là, normalement, tu ne peux pas parler, tu ne peux plus parler. Tu te tais, s'il te plaît. OK? Et tu pars analyser El Moubine pour le comprendre et dire,
ce que chaque être humain qui voit ça doit dire, Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Allah et que Muhammad est son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À la prochaine. Merci à toi.